Si, je peux parler au micro. Ça va, Pompo? Si je mets la clé comme ça, ça ne va pas. Faut que je la retourne dans l'autre sens. Faut que là je la mette. Ah, je ne peux plus la mettre. Parce que c'est déjà ouvert. Sur ce côté-ci quand même. Ah mais... Voilà. Bon, j'ai une lampe. Thank you.
celle qui nous reste. Quand il y a une forme. Je dois faire une... Ah, d'accord. Voilà. Ça va comme ça le micro. Ok, il faut que ça corresponde à ça, donc. On part du centre. Ça. Voilà. Ok. Chapitre... Bon, c'était le tutoriel, mais... Chapitre suivant. Ok, donc c'est tout le temps la boîte qu'on trouve, qu'on doit ouvrir. Merde, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il m'a dit. Ouais. Ah, attends. Là, on a des formes. Donc, on sait que c'est... Il nous a dit que c'était celui-là. Ouais, c'est une sorte de machin ici. Là, on a la sorte de... Ça. Il faudrait qu'on trouve les autres indices, en fait. Déjà, j'ai remarqué que... Oh, ici, il y a un pied qui est différent. Ça sent le paraffine. Là aussi, le pied est différent. Mais bon, ça ne doit avoir aucun rapport. Alors attends, on a vu... Est-ce que ça on peut le mettre dedans? Je le bronze pas. En dessous, on peut pas aller voir en dessous en fait. On est bloqué comme ça. On pourrait mettre une sorte d'étoile. Par contre, ces tutoriels, enfin ce truc où il te propose l'aide, ça m'énerve un peu.
des lignes. Il y a lui qui est ouvert, mais... Oh. Oh wow. 5, 7... Ok, 5 et 7. Cinq, sept, deux. What the fuck? 5, 7, 2, 6. Cinq, sept, deux, six. Sept. 5 et 6 et 6. Ok. Je suppose que je devrais pouvoir placer... ma vue dessus, enfin le truc, la lentille. Si je mets le truc au parabène, ça permet d'allumer ça. Je peux monter ça. Pour le bloquer là, ce qui va allumer ça, ok, à la limite, non, on sait que c'est allumé, bon, qu'est-ce que ça peut nous faire? Oh, il y a un truc là. Ah, on peut pas l'ouvrir. Oh, je suis déçu. Ici, par contre... Il nous faut une clé. Et là-haut, qu'est-ce que ça nous dit? Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oh, ben là, ça peut tourner, ça. Oh. Un mini télescope. Ouais, pas con, ça room. Un peu chaud par contre qu'il faille faire à la souris. Ah, me dis pas qu'il n'y a pas de M. Il n'y a pas de M. Oh! Très bien.
Du coup, on peut peut-être la poser là. Alors, 11 février. Mes recherches continuent à une vitesse d'escargot. Avec ces instruments barbares, je ne peux que lire approximativement quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose ici. Entre la terre et le feu, entre l'eau et l'air. Je ne peux pas le voir, mais je peux sentir sa présence. Comme une ombre dans l'objet sans substance, qui trahit sa forme, donc qui trahit ses bords et formes. De ce qu'il l'affiche, je sais pas. C'est l'élément final, nul, NULL, c'est peut-être ça qu'il faudra marquer. Il apporte le sens au reste. Tout comme n'importe quel nombre dans le monde est inutile et sans sens sans le zéro. Le cercle est vraiment fou. Aveuglé par les arts sombres et leur avidité. L'alchimie n'est pas la poursuite de l'or. C'est la poursuite de cela. Bon, ok. On va essayer d'écrire nul. En espérant qu'il y a un N. Ah ben, il n'y a pas de N. Il n'y a pas de U non plus de toute manière. Bon. En fait, il nous faudrait un petit tournevis. Nous permettent de faire tourner le truc ici. Oh. D'accord. Ça, c'est ce qu'on avait lu. Et du coup, on a la clé. Alors, on va continuer à observer. Aux alentours. Ouais, les alentours, c'est bon. Hop, on va faire tourner le truc là.
Creole. R. Oh. Bon, le centre ne bouge pas. Donc ça, on tourne. Ok, c'est pas ça. D'accord, bon. Ça se concrétise encore plus. L. Et ça, c'est la dernière lettre du truc. Donc on le met là. I R T Trial. L'œil s'est ouvert et on a ça maintenant. On avait déjà résolu. Il nous restait ça. Et ici on a 2. Oui, mais McAllister retourne avec je sais pas quoi d'Égypte. Le pattern continue. L'appel tibérien de l'élément nul, enfin de l'espace nul, jusqu'au Indus Célétaire. Ça n'a pas de sens, je comprends pas. Et maintenant. Jusqu'au babylonien. C'est tout simplement vers le haut. C'est tout simplement montant. C'est simply up. Je sais pas. L'autre direction. Le royaume des Ishtar. Avec toujours plus de signification pour la récurrence. Pour la présence récurrente du glyphe hexagonal. Le même symbole répété dans la culture séparée par d'incontables centenaires. Et dans tout le monde. Qui me dira le rôle de la superstition, machin truc. Ouais, je comprends pas, tant pis. Oh putain, ça je déteste, c'est un jeu full screen. Mais ta souris peut sortir du jeu. Et du coup, quand t'as le malheur de cliquer sur la bordure, genre ici, t'as une chance que ça retourne au bureau. Voilà. Tiens donc. Ça c'est étrange. Il doit avoir une utilité pour ça.
Cela dit, j'ai pas regardé avec la loupe. Ah si, je crois que j'ai regardé avec la loupe spéciale. Faut pas le mettre entièrement là-haut. Tant pis. Ici, c'est un truc qui va s'étendre probablement. Enfin, qui pourra se rétracter ou non. Salut Layart. Et merci Layart. Donc le mécanisme ici sera toujours bloqué. Et il nous faut une pièce. Donc là, on a eu le mystère de l'œil qui a été résolu. N'est-ce pas? Il nous reste la porte à engrenage. Ici. Et... et on a aussi l'étoile là-haut. Plus ici le code. Et 2. Deux au-dessus du E et 5 en dessous du E. Est-ce qu'on a une sorte de E ici? Ah non, il n'y a pas. Dommage, j'aurais trouvé ça original comme... Non mais quel con, c'était le... Oh, quel boulet. Il nous faut le petit machin en couronne, là. Ça. Et c'était... ouais, le truc ainsi qui ne veut pas changer. On va y aller au forcing. Troisième symbole pour l'énigme. Où ça? Ouais, je ne vois pas. Je vois le 2 et le 5. Là, il y a un trou de trou. Coucou Koima, ça va? T'as dit sur une des arêtes. Moi, je ne vois pas d'arête. Enfin, je ne vois rien sur... ah, tu parles peut-être... sur celle-là. Celle-là, on l'a fait. Celle-là aussi. Ouais, non, on les a toutes faites, hein. Merci, Layart.
Alors, t'as dit quoi? Il y a des poteaux cylindriques sur le côté que tu as ouvert. Oui, en effet. Il y a en effet un poteau cylindrique. On ne peut pas le tourner de nouveau, en tout cas. Un poteau cylindrique. Je regarde, hein, mais... Mais ça, parce qu'on dirait que ça peut tourner, ça, en fait, mais non. Mais sur les trucs cylindriques, pompeau, il n'y en a pas. C'est à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien. Nope. Et je suis sur celui de gauche. Moins que ce soit pas la bonne gauche, mais je ne connais que cette gauche-là. Celle-là, c'est une énigme qu'on a déjà finie, donc ce n'est pas de celui-là dont tu parles. Non, pas sûr, il n'y a rien dedans. Ah, celui-là! C'est pas l'énigme en cours, ça, et c'est pas cylindrique non plus. Ok, bon, le truc en mode croyant. Ok. J'ai obtenu une clé. Clé qui me permettrait d'ouvrir ceci. Le trou n'est pas assez grand. Qui fout ma gueule. On peut pas la couper en deux? La clé ne rentre pas. Pourquoi elle rentre pas? On est d'accord, hein, c'est... Le trou n'est pas assez large. Pas lui forcer l'ouverture, de toute façon. Là, la clé ne servira à rien. Là, elle rentrerait pas. Donc, il faut résoudre encore une énigme. À mon avis, pour que ceci recule. Le 5 et le 2 doivent être utiles pour quelque chose. Pas de trace.
passe de main quelconque. Non. Elle rentrera pas. Là non plus. Bon, je vais devoir utiliser l'indice. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. The lid of that box looks like the roll top of my writing desk. Alors oui, je suis d'accord, oui, ça peut bouger en effet, mais... Ah, putain, j'avais pas vu ce machin qui fait qu'un petit endroit. C'est vrai qu'il faut jouer pour que tout arrive correctement. Qu'est-ce que ça fait ça? Merci beaucoup Koima. 20 euros. Un grand merci à toi. En fait, il faut allumer les lumières une à une. Comme ça. Et normalement ici celle-là. Ah, voilà. Ok. Wow. Ça par contre, c'est bien psychédélique. Ok. Ça je l'ai placé correctement. What? Ok. Ok. Je récupère cette clé là, qui va venir se loger ici du coup. Et il faut la tourner. Une étoile. Qu'on doit placer là-haut. Ce qui nous déverrouille une statuette. Une deuxième statuette. Une troisième statuette. Je sais pas à quoi ça sert. Oh! Brass ring. Juin. Prenez une note de cette date. C'est la plus significative dans l'histoire de l'homme, de l'humanité. Je l'ai fait. Un sujet humain était requis. Le catalyste était moi-même. Fatigué de mes études, je suis entré dans la chambre sans désactiver le mécanisme. Quand j'ai regagné conscience, il avait réussi. L'élément nul est derrière la curiosité, est également derrière l'énergie ou la matière. J'ai déjà réalisé de grandes avancées sur mon étude, spécialement sur comment cela reflète la lumière. Cette nuit, j'ouvre le vin. On a vu la pièce. Ah non. Bon, très bien. La pièce, elle couvre quoi? La pièce, elle pourrait être mise
ici. Et si je fais une, deux. Merde. 1, 2, 3, 4. Merde. 1, 2. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh misère. Ça fait quoi ça? 21. 'Obtenu une clé qui pourrait peut-être ouvrir ça du coup. Non, c'est une clé avec une drôle de forme. Avec deux endroits pivotants. Oh. Ça va être compliqué ça. Le truc c'est quand même pas de quoi. On n'a même pas de quoi la faire pénétrer, on va dire. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça a fait changer quelque chose ? Il y a ça ici qui n'est pas encore ouvert. Il y a ça aussi. Ça a changé de forme. Heureusement que le truc me le dit. On ne rentre pas. Donc il faut que devant ça fasse une atrocité à gauche et rien à droite. Et après ça nous fait un petit Macarena. En fait ça nous fait un petit bonhomme de Koh-Lanta mais sans le bras droit. Et le pied gauche qui est relevé. Ok. Oh et en plus il nous met une aide. Donc là le pied du Koh-Lanta c'est bon. Ça va se mettre ainsi. Ok. On a récupéré le truc avec le petit point. Ce qui nous permettra donc d'ouvrir ici. Ça comme ça. Il nous reste encore une étape alors. Ah mais il y a combien de mécanismes, sérieux. La boîte en fait c'est le truc de Pandore, ils te sortent des trucs, tu sais même pas comment il y a assez de place dedans pour ça. Est-ce qu'il y a un quelconque indice? Oui. Ici. Une montre qu'il faut tourner. D'accord. Oh. Pourquoi tu ne rentres pas, toi? Parce que là, on voit qu'il faut tourner. D'accord. Jusque là, bon, ça casse pas des briques. On a une bouboule. Un autre trou. Est-ce qu'on a un truc là? Non, il n'y a pas l'air. Oh, ça m'a l'air compliqué ça. Ah non, c'est bon en fait. Oh.
What the fuck? Le carré. Ici, le carré, il faut qu'on le fasse tourner pour que ce soit vers le haut à gauche. À droite, pardon. Hop. Ok. On avait un autre symbole. C'était celui-là. Qu'il faut mettre comme ça. Ok. Est-ce qu'on a un quelconque autre mécanisme? Lui, c'était comme ça, oui. Et à mon avis, il manque des engrenages là en fait. Il manque clairement des engrenages. Parce que là, on a ça, le petit cercle qui a besoin d'être ouvert encore. Mais je ne sais pas où est le petit cercle. À mon avis, c'est dans l'énigme en cours. On a un truc avec une clé à ouvrir. Maintenant ça tourne dans le vent. Donc ici la petite truc ici, donc il faudra qu'on mette un engrenage ici pour que ça tourne. Donc il nous faut un engrenage. Comme ça on pourra faire tourner la clé là. Encore une fois, pour ça il nous faut un engrenage. Ah oui, là. Bien vu. Bien vu, bien vu. Je n'avais même pas remarqué. Ok, on a un élastique et un grand engrenage. Ce qui nous permettra donc de placer éventuellement l'engrenage là. Pour faire tourner ça. Comme ça le premier tourne. Et j'ai obtenu un tournevis qui sera utile pour... On l'avait vu pourquoi. Pourquoi on l'avait vu? Peut-être pas pour ça. Déjà le bas tourne, donc c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est que l'élastique... Ah non, d'accord, très bien. Je comptais mettre l'élastique... Ah, mais le tournevis... Bah non. Je comptais reprendre... J'aurais peut-être dû le placer là, en fait. Je sais pas comment on peut récupérer... Maintenant ça tombe dans le vent. Putain, on peut pas le récupérer. C'est embêtant. Est-ce que le tournevis pourrait ouvrir ça? Non. Bien sûr que non.
Ah mais par contre il peut ouvrir ça. Ah ouais, c'est un sacré tournevis quand même. Il est un peu imposant. Peut-être que du coup on aura des nouveaux engrenages. Oh, ça tourne vite. Une clé péculière. Enfin, une clé suisse, quoi. Est-ce que la clé peut être utilisée quelque part? Déjà, est-ce que toi tu tournes de nouveau? Non, il ne tourne toujours pas. Ah, là ça ne rentrera pas. Là la clé servira à rien. Une clé péculière. Je savais même pas que ce mot existait. Faut dire moi mon vocabulaire, ça fait pas beaucoup. Ah mais quel con. Hop, hop. Il y a une petite dent là-bas pour dire c'est elle qui prend. Voilà, faire ça. Ça me paraît très bizarre quand même. Non, bah non. Bonne nuit Koima et encore merci. Comment la clé pourrait... être utilisé. Ici, il faudrait tourner en fait là. Mais bon. Apparemment, c'est pas possible. Là, par contre, là, il y a un truc qui m'énerve beaucoup. Je suis en qualité très basse pour le stream et j'ai encore 20% d'images perdues en continu. Alors je sais pas si c'est Twitch, mais en tout cas c'est très énervant. Si on ne prend que celle-là. En fait, à mon avis, la clé, c'est un truc qu'on doit poser ainsi. Tac. Donc il faut trouver un endroit où ça se pose. Et ce n'est pas relatif à ici. Ah mais je suis con. Je ne regarde jamais le truc et du coup... Alors attends. On a le petit cucu vers le bas. Il nous faut que ça fasse un T. On a le T. Faut que ça fasse ensuite... Ok, un truc en inversé comme ça. Nickel. Ok. On a maintenant une cogwheel medium. De taille moyenne. Qu'on a remonté. Qui nous fait tourner ça. Qui nous donne une autre de type moyenne, ce qui nous permet de la poser. Voilà, c'est bon. Si c'est bon en fait.
puisque toi tu vas te poser là. Ah bah non. Hop, je te mets là. Ok, bon. On obtient un tube de fer. On va insérer là-dedans. Mais on peut pas, d'accord, très bien. Le tube de fer. Qu'on pourrait mettre là-dedans peut-être. Non plus. Bon. Oh, d'accord. Une vieille photographie d'une maison. Rêve 605. Ok. Bon, du coup, la petite clé pourrait rentrer là. Ici, il faut refaire la shape. Ok, il faudrait qu'on puisse faire ça. On a obtenu un petit bouclier d'argent. D'argent qui pourrait peut-être se poser là. Non. Oh, il y a un truc dessus. On n'a rien au verso. Ok. Ici, ça tombe toujours pas. Pas de chance. Pourquoi si je rappuie dessus? On peut plus. Très bien. De toute façon, on pourrait pas le placer là parce que il n'y a pas les petits points. Où est-ce qu'on pourrait poser le petit bouclier? Là? Ben non, c'est là d'où on vient. Quel con. Oh, mais sur une statuette. Une épée. Lui, il faudrait un bouclier. On a obtenu une gemme. Gemme qui est censée être posée quelque part. Donc, je suppose que ça peut être là. Ce qui fait que maintenant, je peux tourner. Rêve 605. Mais oui, c'est clair. Ah, c'est satisfaisant quand tu réussis, quoi. Ah, c'est beau. Ah, j'aime bien. Chapitre complété. Très bien. Oh, misère. Misère de misère. Ici, il y a eu une empreinte.
S'il y a une empreinte en tout cas. Faudra arriver sur celui-là en fait. Ok. Tu vas là. Comme ça j'ai connexion à ce rail là. Ce qui me permet d'aller là. Une clé ordinaire. 15 juillet. Mes recherches dans l'élément nul continuent à leur vitesse. Étant donné la nature de son origine, je suis continuellement en train de me convaincre de plus en plus que c'est en quelque sorte lié à ma propre âme. Ses propriétés sont vraiment claires. Enfin, sont devenues claires. Sont en train de devenir claires même. Cela dérive d'une énergie colossale venant de quelque part. J'ai réussi à établir une machine qui pourrait la canaliser et se concentrer là-dessus, mais j'ai peur de faire de plus amples expérimentations. Je manque de connaissances et de compréhension pour le contrôler. Ici, on peut pas tourner. Bien, il nous faut un trou de clé. Ici. J'aime vraiment bien ce jeu en tout cas. Jeu. Mais une, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, une, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois, 4, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Ah, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Merde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est comme ça. On a ce truc de forme carrée. Qui devrait donc une section. Putain, j'ai encore cliqué à côté, ça m'énerve. Hop. L'endroit carré. What? Là, ça ne tourne plus. Et maintenant, je peux placer ça ici. Oh, sérieusement? Des rêves. C'était trial le mot. Il n'y a pas de R. Bon, très bien. Ah mais si je mets la photo là. Mais non, regarde-le. Et si je me ralentis. Oh, d'accord. Sigil. C'est un cristal qui émet de la lumière. 29 juillet. Une nouvelle découverte m'a fait trembler jusqu'au plus profond de moi. Pour investiguer, le propriété réflective de l'élément nul, j'ai appliqué une lance sur lui. Enfin, une lentille. En porter une est troublant et fatigant dans des mesures égales, et j'obtiens des visions qui sont au-delà de ma compréhension. Les visions sont devenues de plus en plus sombres dans les
dans les terres auxquelles je m'aventure. Donc en gros, c'est de plus en plus sombre et étrange. J'ai relocalisé mes études dans la Tour du Nord. Je ne peux plus visiter la cave à vin. Pardon. Vraiment désolé. Donc on a obtenu une lumière qu'on pourrait placer là alors. Ce qui aimait ça. Qui ne sert à rien au final. Ah si, on peut tourner ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Toute petite roue ronde. Ce qui pourrait aller là, du coup. Est-ce qu'elle a une croix en arrière? Oui. Il a un appareil qui permet de réfléchir. Oh. Une pièce de carte hexagonale. Donc ça, c'est pour au-dessus. Ok, bon. On doit se centrer sur... Enfin, se concentrer sur le reste en attendant. Là, ça ne rentre pas. On l'a déjà résolu. À quoi ça peut servir? Ah, pour réfléchir à la lumière, du coup, on pourrait poser ça là. Pourquoi? D'accord. Bon, ça fait la lumière, c'est beau, mais... Si j'appuie là... Je vois pas ce que ça change en fait. Oh là, 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 là. Ah non, bah non. Eh bien, je sais pas. On va passer sur l'autre. On peut pas, ok. Et du coup, faut qu'on trouve ce que ça fait. Parce que, ok, il y a un temps limite, mais. Oh, j'ai vu un truc se refermer. Ça ouvre des parties en fait. Ok. Donc ici on a un pattern.
si j'utilise la clé, il va me dire que c'est pas bon, mais du coup j'aurai le pattern de visible. Comment ça se rentre pas? D'accord. Coucou Phoenixis Gaming, comment ça va? Ok, on a une nouvelle partie qui permet de refléter. On va donc placer là. Peut-être la lentille du coup. Oh. Et merci Phoenixis Gaming pour le follow. Ok. Là. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on veut. Parce que ok, c'est cool, ça reflète, mais on n'a pas de quoi refléter ici. Ah, mais bah non, ça n'a pas de sens. Ah ok, selon l'endroit, ça reflète plus ou moins haut. Ce qui fait que lui pourra refléter comme ça. Voilà. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Ok, on a une partie de la carte qui, elle, correspondra ici. Ah, mais on peut la tourner. Toi, tu vas là. On a une pin carrée qui nous permettra d'ouvrir sans doute quelque chose. Ici. Faut utiliser la vision. Oh là 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 là. Ah, il faut faire le. Ah bah non. Il faut qu'on fasse, que l'on forme, pardon, l'hexagone, enfin le pseudo-hexagone, comme ça. Ok, on a trouvé une boîte de bois. Mais on sait pas où l'insérer. Là, du coup. Bah non. Je ne vois pas d'autre choix, en fait. Peut-on taper? Oh, très bien.
Donc il nous faut un emplacement à... en étoile. Ce qui pourrait être sur le globe au final. C'est énervant parce que, en fait, t'as des murmures en fond qui font genre c'est spooky, mais en fait, putain, j'appuie sur le même truc. Mais en fait, non, c'est... Ah, il y a Phoenix 6 qui sort du cadre, voilà. Toujours que je m'occupais du côté. Ah mais on a fait un côté mais pas l'autre, d'accord. Du globe. Maintenant le globe, on prend la zone ici, on va nous débloquer une nouvelle partie. Ah, on débloque rien, très bien, c'est pas grave. Il y a ça qui peut tourner là. Donc on a une boîte qui est en forme d'étoile qui pourrait rentrer là. Haha. On a une longue vue, d'accord. Ça nous fait une croix. D'accord, donc ça doit être un indice pour ce que j'avais vu ici. Il y a une pièce carrée pour la map qui vient ici et qui nous débloque le globe entier. Oh oh. Pas de problème, Phoenix 6. Ah, on l'a complété. D'accord, très bien. Encore sur ce niveau là. Ah mais cette fois-ci on est dédié à l'étage du dessus en fait. On a ça qui peut bouger. C'est à peu près ça, d'accord. Ok, bonne nuit Pomponeco et à bientôt je l'espère. août 15, quelque chose est... Enfin, il y a quelque chose de mauvais. J'ai suivi l'incantation à la lettre. Astéroth n'est pas apparu. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse d'obtenue, que de questions.
Les visions ont augmenté. Elles se réunissent en moi. Non, elles se réunissent. Et je ne peux pas rester... Non, elles me retrouvent. Et je ne peux pas rester au même endroit pendant longtemps. J'essaie de les surveiller. Mais les lentilles blessent mes yeux. J'ai concocté une solution pour la douleur. Pour ceux qui me suivent et qui trouvent ce journal, je manque d'énergie pour décrire cela. Il n'y a aucun concept au sein de la sphère humaine qui pourrait l'expliquer. La maison est tellement plus large maintenant. Il y a des pièces partout. C'était quoi ce qu'on avait vu là? Deux doigts. On peut mettre la clé là. Ok. Épée. Bon. Très bien. Je sais pas ce que ça a fait, mais... S'il y a des tiges... le bloc. Putain, j'en ai marre de cliquer hors de la fenêtre du jeu, quoi. Ok, bon. Est-ce que ça, je l'avais altéré? Pas de toute manière. Bien. Ah mais. Ok, il faut qu'on refasse la forme. Il y a une épée quoi. Faudrait qu'on arrive à faire ça comme ça. Voilà. Et on a récupéré une dague. Est-ce qu'on peut la poser au centre, comme sur le truc? Oui. Oh putain, ça m'a compliqué.
the fuck? On fait un escalier. Nickel. C'est le pays de la constellation. Ah oui, bah bien vu. Ah bah, en fait tu m'as dit ça et... Pour moi, c'est juste une phrase comme ça, mais en fait, non, t'as raison, c'est l'épée de la constellation, putain. What the fuck? L'œil maintenant. Ok, donc c'est toujours ainsi. Là, on fait une sorte de couronne. Ça s'oriente correctement et ça me permet de faire ceci. Une amulette en or qui, je suppose, rentre là. Et franchement, si un mécanisme ainsi existait en vrai, ce serait tellement badass. C'était quoi le schéma? What the fuck? Là, on a deux trous. Un seul et deux en dessous. Ouais, bah oui, fin, pour moi, tant qu'il y a une personne, ça me va. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on a? On a les deux trous du dessous, un trou en haut. Le truc, c'est que je sais pas à quoi servent les trous, en fait. Bordel. Ah non, moi je regarde pas mon live, il est tout le temps coupé. Ça fait ça. Du coup, si on le met ici où il n'y a rien, il n'y a rien. Je vois pas trop à quoi ça correspond en fait. Ouais.
fait, c'est embêtant parce que... Ok, bon, il y a des trous, c'est cool. On sait pas comment ça fonctionne, on sait pas à quoi ça sert. Mais on sait qu'ils sont là. On va utiliser l'indice. Hein. Oh putain, c'est le pattern. Les deux à l'extrémité. Enfin, les deux extrémités, celui du centre. Les deux en extrémité. Et celui du centre. Putain de merde. Sérieusement, quoi. Deux extrémités centre, deux extrémités centre validées. Sérieusement. Ouais, bah pareil, ça me donne des mal de crâne, quoi. Enfin, des maux de crâne. Ah, ok. Ensuite, je peux pas ramasser là. On peut pas regarder pour ça. Comment ça se fait que maintenant je suis dedans? What the fuck, il y a des menhirs et tout, quoi. What? Ah mais mec, tu fais ça alors que t'es sous le... C'est mort, quoi. Oh, cette cinématique. Cette cinématique. Oh mon dieu. Cadeau. What the fuck. Chapitre complété. Donc là, on est dans la machine, dans l'appareil. C'est chelou. Pas ce que ça a fait. Oh. D'accord. Bah, bonne nuit à toi en tout cas, Phoenixis, et à bientôt. Moi, je pense que je vais pas tarder non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dirait un truc musical.
Attends. Si on a quoi? Un petit engrenage. Où est-ce que ça pourrait rentrer? Pas là, mais bon. Là, on pourrait abaisser le machin. Nice. Et on a un engrenage qui viendra se loger ici.
Il y a une pièce que j'essaie d'avoir, mais je ne comprends pas comment. Oh, mais... Comme ça, en fait. D'accord. Ok. En fait, ça fait juste tourner la boîte à musique. Ça. Et on obtient une clé. D'ailleurs ici ça m'intrigue un peu. Pour la clé du coup pour ouvrir ça. Je sais pas comment. Pourquoi on a une poignée? Ce qui veut dire qu'on peut peut-être ouvrir quelque chose d'autre. Oh mais. Sur la sorte de petite fleurette là. Bon, bah y en a pas. Tant pis, je suis déçu. On l'a vu. Une zone pour mettre une pièce. Quoi? Les sliders qui sont parus près du logo d'or doivent être importants. Bah oui, je n'en doute pas, mais. Qu'est-ce que j'ai pensé? Seulement le 3. Moi je ne sais pas.
doit y avoir quelque chose qui indique. Je n'en doute pas, mais... Sur cette autre colonne. Il y a des symboles numérotés qui correspondent au numéro. Quoi? Ah oui, putain, ils viennent d'apparaître. Triangle, truc et le S. Triangle, truc, et le S. Ça m'a donné une pièce. Une pièce qui est insérée ici. Pas aidé, mais... C'est classe, franchement c'est classe. Ok, on a deux poignées de fer. Qui viennent s'insérer là. Pour aller les poignées de fer. Je sais pas à quoi correspond ça en fait. J'ai pas compris. Ça révèle des trucs. Donc ça, apparemment, ça aurait révélé quelque chose. Mais quoi?
Œil et machin bizarre. Bon. Hop, là il nous faut l'œil. Le machin qui est bizarre. Ok. Maintenant on prend la partie du haut. Pour avoir le code d'accès 3. Comment ça marche? Oh d'accord. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Là, attends, il nous manque quoi? Il nous manque celui ici et celui-là.
Il manque que celui-là. Lui, il faudrait le tourner. Quelque chose de pas bon. Lui doit être ici. Pas tomber là de l'autre côté. Il doit faire comme ça. Non, je suis con. Il doit tomber là de ce côté ici, de ce côté-là. Donc qu'il tombe là, il faut qu'il soit ici quand on tourne. Donc, comme ça devrait être bon. Gemme rouge dans une pièce de métal. Quoi ça peut servir? C'est ça que je demandais. D'accord. C'est une forme très spécifique. Évidemment. C'est chaud, ça. Ça me permet de récupérer ça. Oh, je déteste ce genre de puzzle. Ok, bon.
Qu'est-ce que ça représente? Brillant. Il faut que j'adapte. Ok. Ah, je complétais.
Ok, donc là ça dit, vous êtes, enfin vous avez réussi à rentrer, on va dire, sans trop de mal, je l'espère, enfin unflustered, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas trop mauvais quoi. Donc il espère, est-ce qu'il y aura probablement des tests bien plus complexes. Pour l'avenir. Vous avez fait votre premier pas dans une aventure encore plus longue. Je ne vois aucun intérêt à cacher la vérité à vos pré... à vos prescriptions. Enfin, à vos idées. Il n'y a pas de retour possible. Pour aucun de nous. Pour l'instant, vous êtes enfermé en tout comme moi. Appuyez sur 1. Press forward, my hurt, my friend. There is many more rooms ahead. En gros, enfin, c'est plus. Continuez mon cœur, mon ami. Il y a bien plus de salles qui vous attendent devant, quoi. Pour l'avenir. Ben voilà, c'était la fin de The Room, le premier du nom. J'ai vraiment bien aimé, donc je crois que je vais acheter le 2 et le 3. J'ai vu qu'il y avait en tout cas le DL3 d'après les noms de jeux disponibles sur Twitch. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Une vidéo de 2h18, ça fait long, hein, mais c'est pas grave. Et je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde.